shall gather, more shall enter the fray. Shirgit! Herat! Dagat! Abdulazad! Mais barrez-vous, bande de cons! On va tous crever! Enjoy your stay. Bonsoir, je suis Lord Poulpi. Je viens de réaliser que j'avais perdu mon enregistrement audio, donc je dois tout me retaper en commentaire. Ce que je n'aurais pas fait habituellement, mais là je suis un petit peu obligé, vu que, je vais pouvoir continuer la présentation des membres de la taverne. Donc il le faut! En plus il se passe des choses un petit peu. Les gens qui meurent dans d'horribles souffrances, donc voilà quoi, il faut y aller. Bon, le souci c'est que j'avais fait des présentations un petit peu avec de l'amour dedans. Et bah là je suis un petit peu de mauvaise humeur parce que j'ai deux vidéos importantes, enfin importantes dans le cadre de la présentation en tout cas. Donc là je regarde, j'ai 1h45. Ah c'est trop bien, donc et donc voilà, donc je vais y aller. Et puis c'est tout, donc ce sera de l'action commentée à retardement. Je l'avais fait une fois sur Witcher, c'était drôle. Là je ne sais pas, c'est pas du tout le même genre de jeu. Donc nous verrons bien. Alors donc, donc là je ne bouge pas la souris. C'est un petit peu embêtant. Donc là, dans cette vidéo, nous allons faire une présentation. Nouveau membre. Donc, Eran le Brigand. Dagoth, l'abomination innommable. Et Shergun, le bouffon qui joue de la guitare. Voilà, voilà. Nous avons aussi Maureen. Donc là, j'ai un petit problème. Je me souviens avec cette équipe qui est un peu bizarre. J'ai mis un brigand en première ligne, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Le problème, c'est que je voulais mettre Maureen. J'ai pas trop le choix au niveau des troupes, là. Et le problème, c'est que Maureen a plus de points de vie qu'un brigand. Et le souci, c'est que Maureen n'aime pas Dagoth, en fait. Donc, je ne peux pas les mettre ensemble. Tout comme Zoron. Zoron et Dagoth se détestent, apparemment. Je l'ignorais, donc ce jeu nous fait découvrir la vérité. C'est un jeu profond, finalement. Ils ne veulent pas simplement parce qu'ils sont un petit peu croyants. Et Dagoth est un sataniste. Notoire. Et puisque Dieu est amour, eh bien les croyants ne veulent pas de lui. Voilà. Donc Dieu est amour, mais pas trop quand même apparemment. Hein. Non, il a ses limites, il a même lui ses limites. Donc là c'est Eran, donc je vais voir un petit peu les compétences qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'il a absolument rien au premier rang. S'il peut faire un tir à bout portant qu'il fait reculer d'une case, et son tir tout bidon là qui donne des bonus. Donc ça me fait un petit peu de peine pour lui, mais en même temps il est nouveau dans la taverne, il est là depuis quoi, même pas deux semaines je crois. Donc c'est un peu son bizutage. C'est le bizutage, un bizutage c'est de la souffrance, c'est de la honte de soi-même, c'est de l'humiliation. Donc Eran, bah, je suis désolé, mais bah, écoute c'est comme ça, de toute façon il n'y a pas le choix, il est avec toi. Hein. Avec toi parce que Dagoth, si on le met devant il fait rien. Le mec quoi. Donc voilà, donc on va présenter Eran. Donc Eran, on va commencer par Eran quand même. Eran donc est tout nouveau. Enfin tout nouveau, pas sur YouTube. Hein. Donc Eran déjà, il commence mal parce que c'est un beau gosse. Donc moi personnellement, j'aime pas trop ça. Et il a une particularité, c'est que il fait pas mal de facecam. Donc facecam, c'est j'ai un accent pas terrible. Je dis pas face, hein. Face comme la tête, visage, Facebook, hein. Pas facecam. Il met pas ses fesses devant la caméra. Enfin, peut-être, mais on ne sait pas. Donc on ne va pas s'avancer. Donc il propose donc un peu de facecam, il fait divers petits jeux, j'ai vu, là, et en ce moment il présente Blood and Souls 2, je crois, un MMORPG asiatique, donc avec des femmes qui ont des gros seins, ou qui ressemblent à des enfants, ça dépend, et des mecs qui ont des gros muscles et qui ressemblent à des transsexuels. Bon, c'est un petit peu le chara-design asiatique, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne me prononcerai pas parce que je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire du Darkest Dungeon. Ne l'oublions pas tout de même. Et donc, Eran, alors lui, en fait, il fait des petites intros rigolotes. Il se met un petit peu de voilà quoi, un petit peu d'ambiance pour mettre l'ambiance. Et alors, quand il fait son intro, on voit ses cheveux. Et quand il passe en facecam commentaire, il met un bonnet. Alors, je me suis dit pourquoi. C'est vrai, c'est bizarre, avouez-le. Est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est un ancien footballeur professionnel qui a une blessure au genou et qui ne peut plus pratiquer? Je ne sais pas, je ne le connais pas. En tout cas, il est sympathique. Il est sympathique, il est sociable, ça fait plaisir. Et voilà, il me rappelle un petit peu, vous savez, ces étudiants l'été qu'on voit sur la plage devant un feu de camp.
en train de jouer de la guitare. Vous voyez le genre de mec, un petit peu petite barbe de 3 jours, personne peu fréquentable probablement donc, car quand on se rase pas, c'est qu'on a quand même. Ah voilà. Bah je veux dire voilà. Et je me disais donc voilà, qu'est-ce qu'ils font les jeunes quand ils font de la guitare sur la plage? Hein? Ah, ils fument de la drogue. Ouais. Alors je ne dis pas qu'Iran fume de la drogue. Je dis juste que j'ai une théorie qui peut-être vrai, peut-être faux, je sais pas. Écoute, Eran, si tu es là, dis-nous tout. Je pense qu'Eran, donc, il fait ses intros nettes, alors que pourtant, voilà, il met de l'humour. Et peut-être qu'après, il fume de la drogue, je ne sais pas. Si tu fais ça, c'est très mal. Et donc, il met son bonnet. Car chez certaines personnes, le fumage de drogue entraîne une sensation de cheveux qui poussent. Ce qui peut mettre mal à l'aise. Alors, c'est pas vrai, c'est une sensation. Hein. Donc, peut-être met-il un bonnet, croyant qu'on va voir ses cheveux pousser. Auquel cas, brigade des stupes, etc. quoi. Voilà. Mais peut-être pas. C'est une théorie à moi. Je vais pas te foutre dans la merde, Eran. Mais sache que le monde se pose des questions tout de même. Fait que tu le saches. Très bien. L'écran ne bouge pas depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être j'étais parti. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je ferai une coupure. Bref, alors. Là, ça manque un peu d'animation. Là, il ne se passe absolument rien. C'est incroyable! Bref, bref, bref. Ensuite, nous avons donc en deuxième position, nous avons Dagoth. Alors, Dagoth, donc Dagoth, la bête innommable. Dagoth, c'est quelqu'un que j'aimais bien avant. Et j'ai appris à le connaître. Et maintenant, je l'aime un peu moins. Tout simplement parce que j'ai été sympa avec lui. Je lui ai dit, écoute, Dagoth, j'ai quand même, à l'heure actuelle, 70 abonnés. C'est pas rien. Tu n'en as que, je ne sais plus combien, presque 200. Si je peux me permettre un conseil du haut de mon expérience, tu devrais, parce qu'il fait, des vidéos audio surf, le jeu de vidéo où on met une musique en fond et un espèce de jeu de rythme, course de voiture, jeu de rythme, enfin course de vaisseau là. Allez voir, allez voir. Et je lui dis, écoute, ce qui marche en ce moment, c'est quand même Maître Gims. C'est un artiste qui réunit les générations, ça plaît à tout le monde. C'est du single en veux-tu, en voilà. C'est du rap accessible, c'est la culture de la rue et en même temps de la poésie. Voilà quoi. Et il m'a fait non, j'aime pas. J'ai le mec un petit peu fermé à la discussion. J'ai dit mais quand même, la France quoi. Enfin la France. Parce que là il fait juste donc des vidéos de groupes satanistes. Ah non, l'autre jour il a fait une ouverture d'anime de manga. Ouais. Mais je lui dis, non, écoute, bon, éventuellement, les animes, la musique des animes, bon, ça peut attirer un certain public, mais le death metal, hardcore, nécrophile, c'est moyen quand même. Et là, elle me dit, oui, j'ai des convictions, qu'est-ce que tu crois, t'es qui? Le mec me tutoie, je déteste ça. Et je lui fais, ok, très bien. Je fais, restons-en là, moi, je suis un pacifiste, hein. Je fais, bon, bah, on va en rester là, c'est pas grave, Dagoth. C'est pas grave, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce qu'il me fait là, il y a pas longtemps là? Bon, maintenant, le temps a passé, hein, le temps que la vidéo arrive. Sur Twitter, je reçois une petite notification. Dagoth vous a cité dans un message, je vais voir. Oui, alors pour faire plaisir à leur poulpi, bientôt un groupe français de Marseille. Je fais, tiens, c'est bien ça, un petit peu d'ouverture, du IAM, Marseille, bon, il n'y a pas grand-chose à Marseille, hein, à part du rap. Et Jules! Très bien, Jules ou Joule? Très bien, Joule, grand artiste, j'adore ce mec. Le Eminem français. Et donc je me dis, tiens, finalement, il a écouté la sagesse, quoi. Donc j'attends. Et là, qu'est-ce qu'il nous sort? Dagobah, quoi. Dagobah. Alors le groupe de Marseille, Dagobah, quoi. Alors les mecs chantent en anglais, déjà. Déjà, groupe français qui chante en anglais, pardon. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Tu parles pas français, tu te barres. Tout ce que j'ai envie de dire. Dagobah, Star Wars, alors double affront, j'aime beaucoup Star Wars, les mecs qui crachent sur Star Wars, enfin, ils crachent pas, c'est un hommage pour eux, mais c'est des gens, voilà quoi, les mecs, allez écouter quoi, c'est pas de la musique, ben, je veux dire, non, c'est pas possible Dagoth, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça à Star Wars ni à la chanson française. Enfin voilà. Bon, donc c'est Dagoth. Donc, Dagoth fait aussi, donc, en ce moment, il fait... Ah non, il a fini, d'ailleurs. Il a fait un let's play de Bloodborne. Je crois qu'il l'a fini. Et il entame Resident Evil... je crois que c'est l'épisode 0. Un épisode 0, j'étais pas au courant. Pourquoi pas. Voilà, donc Dagoth,
Non, je déconne, hein, Dagoth, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais fais gaffe quand même. Voilà, ensuite nous avons... Qu'est-ce que je suis marrant ! Ah ! Ensuite nous avons... ouais, c'était mieux hier, hein, mais là, là je suis au bout du rouleau, là. Nous avons donc Shergun. La souris ne bouge pas beaucoup, décidément. Hein. Nous avons donc Shergun. Shergun, donc... Alors, Shergun n'est pas un bouffon. Hein. Shergun est tout simplement... après, enfin, je lui ai mis le personnage bouffon d'office. Tout simplement parce qu'il porte un masque blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Car Shergun aime à se maquiller et à présenter un visage blafard à ses abonnés. Shergun, lui, c'est... il nous fait des vidéos hyper, hyper travaillées et très longues. C'est... Comment décrire ? Comment dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Shergun... Shergun est un univers propre à lui. Le mieux, c'est d'aller voir. Donc, les vidéos sont très travaillées, donc il en sort... il en sort une, quoi, une ou deux par mois, donc ça dépend des périodes. Mais les vidéos durent un petit moment, et franchement, c'est du non-stop, quoi. C'est, le mieux, c'est d'aller voir, parce qu'honnêtement, je ne sais même pas comment décrire ce qu'il fait. Mais ça claque, et il y a un boulot derrière monstrueux, donc allez voir. Shergun, qui est un des cofondateurs de la taverne, ils sont deux, il y a Shergun et le tavernier, mais le tavernier n'est pas là, car il sera comme Barbe Grise. Ah, ça y est, j'ai ouvert Dagoth. Ah, j'ai beaucoup d'avance, hein. Incroyable. Et donc, le tavernier, ça sera pour une prochaine fois. Moi, je sais quand, mais vous ne savez pas. Bon, allez, je crois que c'est bon. Atata. Ah, puis il nous reste le dernier. C'est qui, le dernier? Dernier, l'oculiste, pas l'oculiste, l'occultiste, il s'appelle, je me rappelle plus, j'y vais, Abdul Al-Azred, je crois, un truc comme ça. Donc, si vous ne savez pas qui c'est, allez voir sur Google. Voilà, allez, on y va. Et nous voilà dans la futaie. Dans la futaie avec donc Eran en première ligne qui trouve une torche. Ah, magnifique, magnifique prise de torche. Donc là j'ai eu un petit repérage de la carte immédiat. J'ai pas compris pourquoi, j'ai regardé un petit peu les compétences des uns et des autres. Personne n'a de bonus, mais j'ai découvert la moitié du parcours comme ça quoi. Là, la Dagoth il s'est dit une souche, je vais voir s'il y a des scarabées morts. Il aime bien les manger. Mais il n'y en avait pas, donc il fut un petit peu triste. Donc là ça commence fort bien, donc une pièce vide, mais il faut explorer 90% des pièces, donc... Ah, donc faut y aller. Beaucoup de pièces vides, forcément. Forcément, forcément. Ah là là. C'est bon. Ah, du loot, du loot. Ah, ah, une carcasse pourrie. Je crois que c'est pour Dagoth. Eh oui, c'est pour Dagoth. Dagoth aime la chair morte. Voilà. Hein, Dagoth qui doit régulièrement faire des sacrifices à Satan. Ou Lucifer, je ne sais pas. Quelle est la différence entre Satan et Lucifer d'ailleurs? Y en a-t-il une? C'est juste le nom ou... Moi, je crois que c'est juste le nom, hein. Ça, c'est intéressant, ça. Demandons à Dagoth. Dagoth, quelle est la différence? Pourquoi? Pourquoi? Et si c'est pas les mêmes, lequel préfères-tu? Et pourquoi aussi? Beaucoup de pourquoi. Allez, on y va. Donc, Shergun a des compétences avec une guitare, mais il ne joue pas de guitare. Enfin, pas que je sache, en tout cas. Si jamais il joue de la guitare, c'est vraiment que ce jeu est... une espèce d'omniscience mystique. Je ne sais pas. Ah, par contre, à Shergun... Shergun, il a chopé la ch'touille en léchant le coffre, je sais pas. Faut pas lécher les coffres. Hein. Bah oui, et ça ronge, tu mets. Ça va brûler quand tu vas faire pipi. Ah, premier combat, on va voir un petit peu comment l'équipe se débrouille. Donc Dagoth pour dire bonjour, il vomit Dagoth. Ouais. C'est comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Très mauvaise habitude. Shergun en faiblesse, mais c'est pas grave. Alors oui, Shergun il peut faire, il a guitare pour foutre tout le monde au fond, et guitare pour monter le moral à tout le monde. Plus les coups de serpe habituels, hein, qui font plaisir. Abdul Al-Azred, oui c'était ça, très bien. Attention, attention, coup de tentacule. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique, j'adore cette classe. En plus ça soigne vachement bien. Bon, il y a un risque de saignement, mais... Ah, je suis avec Eran, je sais pas quoi faire d'Eran. Il ne sert vraiment à rien en première ligne, quoi. Parce que si je lui fais tirer un coup de pistolet, hop, il recule d'une case, donc Dagoth est en première ligne, et là, Dagoth ne sert à rien, sauf si je le métamorphose. Ou j'ai ce tir de pistage qui fait des dégâts de merdasse, moins 80% de dégâts, quoi. Voilà, 3 points de dégâts. Un bonus. Ouais, super, t'as un bonus, là c'est bien.
servira pas grand chose pour l'esquive. Esquive du groupe, cohésion, cohésion du groupe. Ah, on a quand même 3 membres de la taverne là. On a presque tout le monde. Il nous manque. Il nous manque 4 personnes quand même. 4 personnes. Ça viendra. Ah là, je me tâte. Est-ce que je le transforme? Est-ce que je laisse la puissance d'Agotesque s'exprimer? Et non, je dis non. Il va foutre du stress à tout le monde. Mauvaise idée. Ah, la balade guerrière. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir cet effet pyrotechnique digne de Shergun? Eh oui, les petits anges fluorescents bleus. Ah, ça, c'est du Shergun tout craché. Ah, tout le monde est esquivé. Au sommet d'Agot. D'Agot s'est pris une balle. Très bien. Ouais. Là, je me tâte encore. Je peux faire que ça. C'est vraiment chier. 2 points de dégâts. Même les dégâts baissent. Malgré le bonus. Ah, je suis vraiment très triste. Là, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Sort affaiblissant. Petit sort. 2 points de dégâts. Mais ça lui a quand même un malus. Très bien. Voilà. Moins 2 en vitesse. Moins 30% de dégâts. Moins 30% de dégâts, c'est bien. Hein. C'est énorme. Quand on y pense. Pardon. Ah, Dagot tente étourdissement de gros lard. Et non, ça n'a pas marché. Manque de conviction dans le lancer de chaîne. C'est dommage. Ça, oh là, Shergun. Shergun fait le travail. Shergun, il est magnifique. Ah, encore le problème Eran. Hein. Oh, il tente, il recule et il achève 28 dégâts. Là, je me dis, Eran. Voilà. Hein, là, on peut dire que dans l'ordre, c'est Shergun, ensuite Eran, ensuite Abdul et dernier Dagot. Au niveau qualité guerrière. Pour le moment, bien sûr. Mais ça va probablement changer. On est qu'au premier combat. Encore une salle vide. Ah, et là, je vois qu'il y a un mur. Et là, je suis triste parce que j'ai pas de pelle. Donc, je repars. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Bon, ça fait visiter un petit peu. On prend un peu de stress, ce genre gentiment. Là, on est dans le noir. Là, on teste un peu les nerfs de l'équipe. Et ma foi, c'est pas mal. Hein. Eran, il mène la troupe. Il est bien. Dagot, il a sa petite couverture parce qu'il a un petit peu froid. Shergun, bon, il est là. Il regarde un petit peu. Tout va bien. On est bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, je vois qu'il y a un mur aussi en haut. Donc, je me dis, putain, je suis encerclé par les murs. C'est vraiment la merde. Et c'est vrai. Hein. Deux murs, quoi. Là, le groupe a faim. Donc, ouais, pourquoi pas. On a fait 3 salles. 4 salles. Ouais, 4e salle. Déjà, une pause BN. Bah, écoute, hein. Mange ton BN, qu'est-ce que je te dis. Attends. En même temps, j'ai trouvé de la bouffe, je crois. Donc, c'est pas mal. Là, il y a un piège, est-ce que je vais le voir? Oh, oui, on l'a vu. On l'a vu, bien sûr, c'est toi, c'est pour toi Eran, ça peut être que toi. Ah, Shergun aussi, 80%. Je me dis, ouais, Eran, ah, bisoutage, et là, et voilà, bisoutage loupé, infection, stress, la totale. Ah là là, ah, ouais. C'est pas facile, là. C'est pas facile tous les jours de se promener en forêt comme ça. Toujours pas de combat, mais c'est incroyable, mais c'est quoi cette map de balles, là? Ah, oula, je pète la torche là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je me suis mis un coup de pression tout seul, je pense. D'une peau de la torche. Bah, c'est à cause des rats, qui étaient bas en vie. Je me suis dit, non, faut pas que je me fasse surprendre par des monstres. Et oui, alors là, non, mais attendez, vous avez vu? Foutage de gueule ou pas? Mec, ils ont encore faim. Hein? Avant d'entrer dans la salle. Il y a 2 salles, tac tac, ils ont fait. Non, enfin, c'est ridicule. Là, 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 là. Alors j'ai une théorie pareille, si en effet Eran est un consommateur de cannabis ou d'herbe, ça donne la fringale. Donc éventuellement ça peut être ça, la fringale. C'est vrai que la promenade nocturne en forêt est propice à la drogue. Tu sais, c'est un petit côté poétique. Et comment? Tant de violence et onirique quelque part, je sais pas. À voir. Donc Dagot il continue à vomir, hein. Ouais, hop, je lui en sacrifie ma souris, je suis fier de lui sûrement. Oh, probablement. C'était pas une méchanceté, ça m'a fait mal. Bon, alors là, ah voilà, Eran est passé en opposition, il va pouvoir un petit peu, voilà, hein, son plein potentiel, 6 points de dégâts, c'est quand même assez énorme. Et Abdul est là pour finir le travail. Pas du tout Abdul, mais bien. Attention, esquive. Oh oui, esquive. Oh, c'est beau ça. Là, je suis Shergun chambardé là, il est parti en première ligne avec sa guitare magique.
Voilà. Mais heureusement, il peut se déplacer très rapidement. C'est l'avantage du personnage. Parce qu'il a beaucoup de compétences qui te font avancer, reculer. Voilà. Pour l'instant, honnêtement, c'est le genre de problème, le placement que j'ai pas envie de m'infliger pour le moment. Hein. Pour l'instant, le bouffon, il joue de la guitare pour les potes, il met des coups de serre et ça s'arrête là. On verra plus tard. S'il y a plus tard, bien sûr. On esquive encore, pas du tout. Segment pour tout le monde. Non. Ah. Oula. Oula. Ouais. Raneba. Hein. Oh, petit soignage là. 9 points de dégâts. Oh mon dieu, il a pas beaucoup de points de vie. Hein. Bah, il est niveau 0 en même temps. Forcément, bon, je crois que ce combat là il est plutôt il est bien, hein, étourdi. Bon, voilà, bon, voilà. C'est une simple formalité. Écoutez, là, Eran va l'achever avec son superbe coup. Comment ça s'appelle ton superbe coup de pistage? Tir de pistage, voilà. Hop là, on en parle plus sans forcer. Très bonne équipe. Hein. Encore un petit... Oh, le soigne-le, soigne-le. Non, bah, si, t'as pas le choix. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Si, il va le faire. Deux, il fait calcul savant. Non, il soigne finalement. Il a calculé les probabilités à une vitesse assez ahurissante. Attention, cher gun pour le coup final. Oh, le critique qui pique. Et là, c'est la mort. C'est la mort de merde. Ah non, pas encore. On va citer un auto-soignage, je pense. Auto-soignage, attention. Abdul va-t-il se recoudre? Non, il stat, ah, il calcule. Ah oui, il y a 7 points de vie manquants de chaque côté. Gauche, droite. Va-t-il être égoïste? Je pense que oui, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, 3 points de vie. Résiste au segment, c'est parfait. Et Dagot qui va finir le travail d'un coup de chaîne magistral. Chaîne nébulaire! Et voilà, gloire à Satan, gloire à lui. C'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Il y a eu un petit AA de la part d'Eran. C'était quand même un buste et deux pour contrat, donc tu t'enflammes pas, s'il te plaît. Certes, tu es niveau 0, mais ce n'est pas la norme. Oh là là, voilà. Surprise sur Astico et Araignée. On voit pas ça tous les jours. Shergun va s'en donner à cœur joie, je pense qu'il va faire un... de l'étripage, voilà. Double étripage, attention. Oh, l'araignée esquivée. Bon, bah, je crois que, ouais. L'astico est mort. Ah, bon, Dagot aime bien... Bon, il vaut mieux sur les asticots. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais... Ah, là, je... Voilà. Là, je soulignais le dialogue qui parle de lui-même et qui, quelque part, conforte tout ce que j'ai dit jusque-là. Ah, carrément. Complètement d'accord avec moi-même. Oh là là, ça soigne, l'équipe est comme neuve. Bon, à part le stress, les pour Eran, mais ça c'est pas grave. Hein. Il y a des moyens pour faire redescendre ça assez rapidement, je pense. Un petit peu mou le combat, hein. Je pensais que ça irait plus vite que ça quand même. Ça y est. Shagun va intervenir et mettre fin à cette mascarade. Voilà, c'est bien. Et Dagot, attention. Ouh, la fouette l'astico. Ah. Il fouette l'astico, c'est drôle. Allez, oh là là. Ah, bon, c'est bon, c'était vraiment une attaque gratuite là. Allez, finissez là, Dagot, fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Dagot? Ah oui, là j'ai dit oui, genre, Dagot, j'aurais peut-être pu le mettre en occultisme parce qu'il y a le petit bouc, il y a la petite moustache. Et puis il porte un crâne avec une bougie. Ça aurait pu marcher, mais vu que l'occultiste invoque des tracules, non, Dagot a perdu ce privilège quand il m'a mis du Dagoba. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est une abomination. Et puis c'est tout. Ah, ça va bien. Hein. J'avais dit que je me vengerais de toute façon. Ça y est, c'est fait. Et la quête est terminée avec à brio. Bravo l'équipe. La taverne, ouais. Qu'est-ce que je fais? Oh mon dieu, je suis parti. Oh, il est parti. Oh, je suis parti en exploration, qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai envie d'aller voir la dernière case. Je me dis, je suis bien, j'ai personne de mort, c'est pas normal. Je vais me faire la dernière salle, parce qu'il y a forcément un trésor de folie. Le mur, le stress, rien à foutre. L'important, c'est l'argent. Sauf que l'argent que je vais gagner...
quelque part, ça me coûtera plus cher de soigner leur stress. Donc c'est complètement débile, sauf si bien sûr il y a du gros loot quoi. Y aura-t-il du gros loot? Ils ont encore faim quoi. Et trois pique-niques les mecs. Les mecs sont en vacances quoi. J'hallucine, mais en même temps c'est la forêt, hein. Ça creuse, la marche en forêt, ça creuse, c'est bien connu. Alors, il n'y a pas de pelle, vous allez faire quoi? Là, je me souviens, j'ai vu le stress, j'ai fait une connerie, parce que c'est quand même beaucoup, 25. J'avais oublié que c'était... Dagoth à la rage. C'est raccord, ça va, c'est raccord quelque part. Et attention, oh magnifique la salle vide. Voilà, donc tout le monde a bouffé du stress, Dagoth a pris une maladie, pour rien. C'est bien, non? Ah, c'est un petit peu ça, la stratégie du haut-vol. On se régale. N'allez pas voir d'autres let's play sur Darkest Dungeon, hein. Vous n'aurez pas cette qualité de décision. Et... Non. À mon avis, les mecs, mettent pour n'importe quoi. Ici, il y a de la réflexion, sachez-le. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà, personne n'est passé niveau 2, mais c'était bien quand même. Allez, je vous laisse, donc prochaine vidéo, la même, hein. Va falloir que je la fasse... différé, c'est triste, je suis fortement triste, sachez-le, mais ce n'est pas grave, je vous dis à bientôt, et soyez bénis, et allez voir les chaînes des petits camarades, vous trouverez peut-être votre bonheur, mais restez quand même ici, enfin, à choisir, restez là, je veux dire, voilà, moi en priorité quand même. S'il vous plaît, merci. Allez! Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez! Zoron dans la taverne, il a perdu un objet magique. Zoron l'ivrogne et Cyprinette, elle, par contre, elle a décidé qu'elle ne boivrait plus. Du verbe boivrer. Voilà, c'est cette formidable faute de conjugaison que je vous laisse. Salut!